toi. Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo avec Loser Killer et Primp. Ouais. Et donc comme vous avez pu le voir, on est au Festibrick et on va vous présenter ce que l'on pense être le mug du Festibrick. Ainsi qu'un des meilleurs mugs de tous les temps, je pense. Hein. Oui, on peut le dire. Et donc c'est un magnifique modèle alternatif en fait. Un mock que quelqu'un a monté sur notre stand de construction. Voilà. Et donc bah, Printf a gentiment fait un modèle alternatif, comme vous pouvez le voir, assez magnifique. Donc on peut déjà commencer avec le schéma de couleur, qui est assez intéressant si ce n'est particulier. Donc on peut quand même remarquer. L'utilisation de bleu clair est assez sympathique, je trouve. Oui, effectivement, elle convient bien avec les micro-mirons bleus, qui ne cachent pas tout le schéma de couleur. Et on peut aussi quand même remarquer un rappel de couleur avec le rouge métru ici et là. On a quand même un petit rappel de couleur entre le rouge métru et le vert pomme, ce qui fait penser à mon sapin de Noël. Ensuite, on a bah, du jaune, oui, pourquoi pas, et du gris foncé. Une dominance du noir. Oui, une dominance du noir, effectivement, qu'on retrouve aussi à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est très original parce que j'ai vu très peu de mocs en ce moment qui est dominé par du noir. Hein. Oui, effectivement, très peu de mocs noirs, effectivement, hein, tous avec des couleurs. Oui, très oui, original, vrai. Oui. On pourra aussi noter, bah, effectivement, que grâce à ces couleurs-là, on distingue très bien le moc, et c'est assez simple à comprendre. Hein. Un corps, une tête. Deux pattes, et voilà. Et donc, on va enchaîner avec la construction. Donc, comment ça marche? Déjà, on va prendre une base qui est assez compliquée à utiliser car c'est une base Makita 2008. Il faut savoir que même moi, j'ai peur de l'utiliser parce que j'ai peur de ne pas réussir mes mocks avec une base comme ça. Voilà, c'est dire à quel point c'est une base maudite. Mais là, on peut quand même remarquer un certain travail de talent. Il a bien réussi à combler les différents espaces, vous voyez. Il a beaucoup de trois expositions et il les a comblés bah, de façon assez gracieuse avec par exemple des micro-mirons partout pour les articulations. Donc déjà on peut noter ça pour la patte hein, qui tourne à un angle assez rigolo, voilà. Elle n'est que bloquée par ça, en plein mètre comme celle, elle est bien mise, voilà. Et histoire d'être assez asymétrique, parce que oui la symétrie c'est bien, surtout quand c'est bien fait, et c'est le cas ici, voilà. Eh bien on a une asymétrie à ce niveau-là, avec un pivot qui me fait penser à mon horloge Louis XV, voilà. Ensuite on a bah, le truc. Donc le truc, bah, il est bloqué. Et, c'est peut-être une queue, je pense. Une queue, effectivement, une queue ou un bout d'aile. Et la tête qui est sur un boule joint, voilà, un boule joint. Oh là, ouais, excusez-moi, la tête n'était pas bien mise et ça fait perdre tout son caractéristique, tout le charme du mock. Le voilà. Caractère du mock. Alors on peut noter par contre qu'il n'est pas très très stable, hein, effectivement, des accroches assez limitées. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la construction? La tête, elle est quand même très originale. Hein. Bah, effectivement, on dirait... Kitongu, mais sans l'œil et avec d'autres pièces à la place de ce qui fait Kitongu, quoi, en fait. Donc juste la pièce utilisée sur Kitongu. Voilà. Ouais, avec du jaune comme Kitongu. Et je pense qu'on peut dire que c'est un mock articulé asymétriquement, parce que c'est assez rigolo. Hein. Donc là, on a 1, 2, 3 ball joints qui permettent des mouvements de fou furieux. Pivot, hein. Il est très articulable, hein, regardez. Tu peux mettre en croisant les jambes, mais personnellement, je pense que c'est une femme, car comme on le sait, tous les moqueurs de bionique qui veulent faire des femmes, comme c'est des hommes, et eh bien ils font croiser les jambes à leur moque, et ça fait une femme, voilà, c'est normal. Toutes les femmes sont des top modèles qui croisent leurs jambes quand elles marchent, normal. Donc voilà, donc on fait croiser les jambes. La tête peut avoir l'air impressionnée comme ça. Oh putain. Et on dirait une sorte d'autruche, tu vois. Oui, bah, oui, franchement, et eh bien ça montre qu'avec un minimum de pièces, on arrive à quand même recréer une forme qui est reconnaissable par l'humain. Voilà, par l'humain. Donc voilà, c'est déjà ça de gagner, je trouve, parce il que. Flatte l'œil, hein. Franchement, oui, franchement, je veux dire, notre œil est remercié par le moque, en fait. C'est nous qui devons. On laisse passer. Attendez. Et les collectionneurs de Lego. Bla bla bla. Un plaisir aux yeux d'enfants, parce qu'aujourd'hui nous sommes tous des grands enfants avec lesquels on peut nous rappeler tous ces légumes. Sachez qu'aujourd'hui, aux alentours de 16h, les trains électriques vont tenter de battre. Je vais lui mettre une pause hein, pendant ce temps. Hein. Oui, sachez qu'hier, ils ont battu le record du monde du train le plus grand, je crois qu'il attelait 153 wagons. Et aujourd'hui, nous allons nous attacher à la vitesse. Et battre la vitesse. Voilà. Ok. Et donc, voilà une pause voilà. Assez originale. Une pause infiltration. Des exposants qui sont. Oui, avec des têtes, une caméra. D'ailleurs, j'aime beaucoup le combo des deux effets. Les formes se suivent assez bien. Surtout le rien ici. Vous pouvez repartir également de ce festival de 2011 avec des cadeaux.
Ouais, bah, en fait, je crois qu'on va arrêter parce que ils veulent pas qu'on présente le meilleur mug du monde. Donc en fait, voilà. Donc on vous fera des photos. Allez sur ma galerie Brichelf pour des photos détaillées. Il y aura au moins 50 photos sur 3 pages de ce mug là. Voilà. Voilà. Parce que j'ai beaucoup aidé pour les poses. Voilà. Donc on va vous laisser ici, je pense. Hein. Pour le meilleur mug alternatif. Attends, on a oublié de dire qu'en fait, il se dément assez facilement. Donc pour le ranger, c'est assez simple, effectivement. Voilà. Voilà. Donc. Et même que des fois, vous faites même pas exprès en fait. Ouais, pour vous dire que Lego a tout pensé. Voilà. Enfin, et la... maman. Oui, pardon. Merci. Enfin. Excusez-moi. Oui, c'est aussi ce que l'autruche pense, à mon avis, pendant que tu fais. Ouais, évite pour le connecteur vert tout de même. Hein. Parce voilà. Que ça a beau être le meilleur mug du monde. Il a quand aussi, même des connecteurs vert. Ouais, voilà. Tête. Voilà, on peut et pas être parfait. C'est aussi une spéciale feature du mug. Hein. Regardez, on peut faire si genre surpris ou curieux. Oui, ça change de son air en colère, en effet. Donc, comme ça, bon, voilà, je pense que maintenant, on peut arrêter là-dessus, ouais. Parce que, je veux dire, on va pas, hein, je veux dire, le téléphone n'est même pas digne de filmer ce mug-là, donc, voilà, donc je pense qu'on peut arrêter là. Ouais, on arrête là. Allez, salut, à plus. Tard.